Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un C4 Space Tourer, 1.5 Blue HDI, 130 chevaux, dans une finition fil suréquipée. Donc un modèle de fin 2020, qui a 50 km seulement, hein, un véhicule très très récent, avec jantes alliage 17 pouces diamanté. Il possède le radar de recul avant et arrière, la caméra de recul, le pack enfant, voilà, donc avec les sièges donc qui sont coulissants, les trois, et trois sièges totalement indépendants. C'est un des derniers dinosaures en monospace, finalement, en vrai monospace, avec trois sièges indépendants, avec un très grand coffre, pour un volume extérieur qui est quand même assez compact. On est à la mode du SUV, donc il y a un petit peu moins de véhicules comme ceci. Donc ce véhicule, c'est parmi les derniers. Donc la production du C4 Space Tourer en version courte comme celle-ci s'est arrêtée. Donc c'est un des derniers modèles. J'ai un frère presque jumeau en noir ici, mais avec les jantes alliage 16 pouces. Voilà. Donc on voit qu'il a l'éclairage de LED, bien entendu, les rétroviseurs rabattables électriquement, les vitres arrière surteintées. Voilà, ce véhicule est proposé au prix de 24 290 euros. Donc pour un véhicule de fin 2020 avec 47 km. À l'intérieur, on retrouve donc les sièges réglables en hauteur, bien entendu, le volant multifonction avec le régulateur limiteur de vitesse, les quatre vitres électriques, rétroviseur électrique et rabattable électriquement. Hop. Donc, ce véhicule possède donc le grand écran que l'on retrouve ici, ainsi que la tablette tactile, donc avec navigation, Apple CarPlay, Bluetooth, clé USB pour la musique, et donc notre GPS que l'on peut avoir en grand ici, les commandes de radio volant, boîte 6 vitesses, avec donc caméra de recul, ainsi que les deux stationnements avant et arrière. Les feux se déclenchent automatiquement, les essuie vites également, le volant est en cuir. La climatisation est automatique bizone, séparée côté conducteur et passager. On retrouve le système de pare-brise panoramique, voilà, ici, qu'on a sur tous les C4 Picasso et C4 Space Tourer. Les accoudoirs pour le conducteur et pour le passager. On est sur un véhicule très typé confort, hyper familial, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce véhicule, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez également retrouver tout le détail de l'équipement sur notre site www.automobile-villet.com. Vous nous retrouvez sur Instagram et sur Facebook, Automobile Bernard Villet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Présentations de Nico pour d'autres vidéos. Voilà, j'en mets régulièrement, grosso modo, une dizaine par semaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.